Bonsoir TikTok. Alors, je reprends la question de Marie qui dit qu'elle prend les flocons d'avoine, j'amène du pain, mais elle ne perd jamais. Alors, la première raison pour laquelle il est possible que tu ne perdes pas en prenant les flocons d'avoine, c'est peut-être parce que tu en prends en grande quantité. Donc, si tu prends par exemple 100 grammes de flocons d'avoine avec du lait, avec du miel, avec les noix, avec les fruits, ça devient hyper calorique et à la fin de la journée, oui, tu vas manger équilibré, mais sur la balance, tu ne verras pas de différence. Et s'il savait que lorsque tu prends les flocons d'avoine le matin, tu prends une petite quantité, ça veut dire que c'est le repas de midi ou le repas du soir qui pose problème. Donc, essaye de voir. Est-ce que tu prends le flocon d'avoine en grande quantité? Est-ce que tu ne manges pas beaucoup à midi et le soir? Est-ce que tu ne grignotes pas entre les repas? Et je pense que si tu es en mesure de préciser exactement. Voilà, je pense que si tu as envie de répondre exactement aux questions que j'ai posées, alors là tu vas comprendre ce qui a posé problème à ton niveau. Donc j'espère que ceci va édifier les personnes qui prennent le flocon d'avoine et qui ne voient pas de différence. Donc revoyez les quantités, revoyez ce que vous mangez en dehors des repas. Donc merci de partager la vidéo à ceux qui mangent le flocon d'avoine et qui ne voient pas de différence pour que cela puisse les aider. On se dit à très bientôt. Au revoir.